Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est plus en eau douce mais c'est en mer. Donc je vais pêcher le bar au Black Minnow. Donc l'eau est assez claire, je les pêche en marée descendante. Donc il y a un faible coef. Donc j'en ai vu déjà pas mal. Voilà, déjà je viens d'avoir une tape, je sais pas quoi là. Et donc je pense qu'il y a moyen d'en faire. Donc on se retrouve s'il y a des barres de fées. Oh la vache! C'est quoi ça? Un bar. Ah, c'est pas un bar? Si, c'est un bar. Oh yes! Voilà, donc j'ai mon premier bar. J'en ai vu pas mal, mais. Du calme. Voilà. Oh, il est beau. Enfin, il est petit. Allez, du calme. Il fait 20 cm. Donc j'ai chopé au Black Minnow. Je vais le relâcher. Voilà. Ah. Oui, je l'ai. C'est bon. Oh, c'est des petits bars, mais donc en fait j'ai mis le Black Minnow avec oh, punaise. Bon, avec une tête plombée normale en fait, parce que j'arrivais pas à les piquer avec une tête plombée texan. Faudrait juste qu'ils se calment. Et donc voilà, ça marche. Je les vois attaquer mon leurre. Allez, décroche-toi. Voilà. Stop, stop. Arrête. Hop là. J'espère en taper des plus gros. Mais celui-là, bon, il fait 20. Je vais le relâcher. Voilà, donc un petit bar là. Au one-up. J'ai mis un one-up blanc et ça a marché. Mais mis une bonne tape. Bon, il est pas gros. Voilà, il est fin celui-là. Reparti. Voilà, encore un juste après l'autre. Bah, depuis que j'ai changé de leurre, là j'ai mis un one up, ça va mieux. Bah, il est un petit peu plus joli. Hop. On va essayer de pas lui faire de mal. Hop là, voilà. Ouais, il fait 25 cm. Voilà, j'en ai encore un. Il est petit.
là. Voilà le sixième là. Juste après celui que je viens de faire. Il a tapé direct celui-là. Putain, il y en a beaucoup de ce côté-là. Oh là, il y a 2-3 qui le suivent. Oh, il y en a partout, j'en vois de partout. On va essayer de pas l'abîmer. Aïe, oh putain, ça pique. Il est reparti. C'est bon. Il est reparti. Ah. Décidément, le one-up marche beaucoup mieux que le Black Mill là-haut. Celui-là, ça tire. Oh, il est plus gros celui-là. Punaise, la tape qu'il m'a mis. Ah, il est beau. Ah, ça, c'est un beau bas. J'essaie de le sortir. Je vais le sortir là. Par là-bas. Punaise, il est gros. Non, je vais le sortir. Ah, il saigne. Voilà. Oh, il est bon. Oh, il fait 30 cm. Et voilà. Voilà. Un petit barreau Easy Shiner. Couleur naturelle. Il a mordu en pleine eau celui-là. Il est un petit peu plus joli. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait marcher mon Easy Shiner, mais bon. Hop là. Voilà. 25 cm. Là, on se retrouve pour un petit bar au Black Me Now. Voilà. Encore un petit. Mais bon, ça fait plaisir. Arrête de te débattre. C'est bon. Voilà, il fait. Ouais, ben, voilà, on se retrouve pour un bar encore. Sur le bord, cette fois-ci. Oh, Easy Shiner. Voilà. Voilà, on se retrouve encore pour un petit bar, cette fois-ci au Samy. Je l'ai vu suivre. Ah, il l'a bien gammé. Bon, c'est un Samy aussi couleur naturelle, donc il est bleu clair, il n'y a que ça qui marche. Hop, voilà. Voilà, on se retrouve pour un petit bar. Bien celui-là.
Et bien voilà, la session elle est terminée. J'ai pu prendre pas mal de bars au One Up et au Black Mill Now. Ils étaient pas très gros, mais ça m'a fait des belles touches. J'ai pu voir les attaques puisque l'eau elle est très claire en ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu de la pêche en canal. Là, mon pote, il fait pas mal de poissons à l'heure où je vous parle. Donc, on fait pas mal de vidéos. Et moi, je vais bientôt rentrer pour aussi pêcher en eau douce. Donc, j'ai essayé de prendre un petit peu de barre pour faire une vidéo. Et donc, voilà. On se retrouve pour une autre vidéo qui va sortir très prochainement. Voilà, donc salut tout le monde.